j'espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Et oui, ça va même super extra méga bien. Parce qu'on est où? On est à Cap Pirate. Cap Pirate au Cap Dac. Donc, on vous avait promis un room tour. Un room tour de notre chambre à Cap Pirate. Donc, c'est parti? Oui, c'est allez, parti. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve dehors là parce que Corentin a voulu vous montrer l'entrée. D'ailleurs, vous verrez, il a un maillot de bain. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des toboggans aquatiques. En fait, il y a des toboggans aquatiques et tout, parce qu'il y a aussi la baie des pirates qui est partenaire avec Cap Pirate, c'est un parc aquatique. Mais ça, on vous fera une vidéo d'un blog en fait au parc aquatique avec les toboggans et tout. Bon, là, on est devant l'entrée, donc on y va. Tu nous fais visiter. Ici, on a une petite entrée avec un tonneau à moitié déchiqueté. Et ici, on s'est reçu un boulet de canon en fait. Oh, trop de la chance que. Ben, on soit encore là, hein. Ouais. Alors, là, il y a tout qui est fissuré. Ah ouais, il y a tout qui est fissuré, c'est vrai. Voilà. Là, ça, c'est pour toucher la porte. Alors, ça, c'est la porte d'entrée. Hein. Attention, voilà, on est à la chambre numéro 40. Pour ceux qui voulaient savoir. Après, ici, ben, ça, c'est pour taper pour entrer. Allez, on y va. C'est parti. Ça y est, on rentre enfin. Vous avez pas montré la dernière fois, les copains. Donc, voilà, on y est. C'est parti. Donc là, ben, on est dans l'entrée parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce n'est pas une chambre. C'est un appartement en fait. On a des lanternes. Alors là, il y a des lanternes. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le salon. Voilà. Donc il y a plein de portes ici. On a la terre et on a tout ça. Tu vois, des petites déco pirates et tout. On a un immense canapé. Il est juste immense. Et il y a des lits à tirer pour nous. Et en fait, ce canapé, ce sera le lit de Corentin et Océane. On le tire par la petite manivelle qui est ici. Là. Et après, ça fait le lit qui fait tout le truc là. En fait, c'est immense. Alors là, on a une petite table de salon qui va bien. Voilà, elle est trop belle. On dirait l'encre, tu sais, là qui pousse. C'est ça. En fait, c'est ce qui pousse et après, l'encre est là. C'est ça. Donc, on continue avec quoi, Loulou? On a la télé. Alors, on continue avec quoi? Avec peut-être les toilettes. Ouais. On va vous montrer les toilettes, ça y est. Attention. Il faut appuyer en haut et en même temps tirer. Ah, c'est spécial les poignées ici. Hein. Oh, voilà, c'est un trône. Le trône du roi. Alors franchement, dites-nous dans les commentaires, mais c'est très très original. Je crois que je vais passer des heures aux toilettes. Hein. Voilà. Mais juste la brosse aussi, elle est géniale. La brosse pour les toilettes, voilà. C'est une tête de pirate. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. ils ont battu tous les parcs qu'on connaissait parce qu'on n'a vraiment jamais vu ça. Et puis le papier toilette là-haut, c'est trop marrant. Franchement, c'est trop stylé. J'adore. Alors ensuite, là, on a une porte. La deuxième porte, ça donne où? Ça donne la chambre. La salle de bain. Non, pas la chambre loupée. Donc la salle de bain, tu peux l'allumer? Alors voici. Bah coucou, vous voyez? Coucou. Donc là, on a le porte-manteau en forme de Captain Crochet. De crochet en fait et tout. Et là, on a vraiment le miroir. Un miroir rétractable, trop bien. Et là, on a un petit placard avec de petites choses. Et ça, en fait, c'est un truc. Il n'a pas rangé sa serviette d'ailleurs. En fait, ça, c'est les trucs qui tirent pour mettre les trucs dedans. Ouais, pour les. C'est comme dans les bâtons en fait. Donc là, on a les petites choses, sa chevelette, etc., la serviette. Une superbe petite vasque et tout. Franchement, c'est trop bien. Et là, la douche à l'italienne. Et ici, à côté, donc on a la douche italienne. La douche, elle est juste. C'est une douche italienne. Trop belle, ça. Ouais. C'est une douche italienne. Donc là, on a les gels douche, etc. Oh, pareil. Stylé, hein. Petit porte-manteau, trop bien. Les éclairages, ils sont trop beaux aussi. Ouais, trop beau. Et on a la méga pluie en fait pour se doucher. Voilà, donc ça c'est la douche, la douche salle de bain, quoi, c'est trop chouette. On éteint la lumière, on ferme? Oui, je vais éteindre la lumière sur la télé. Voilà, on économise l'électricité pour la planète quand même. Alors, on continue avec quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est un placard. Un placard, voilà. Donc c'est un placard. Rapière, balai. Tout ça, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour le ménage. Ici c'est pour les habits. Pour mettre en fait la valise. Ouais, voilà, elle est là. Là, on rentre pour la clim. Ouais. Là-haut, on a la ici, clim. Nous avons la salle à manger. Ici, nous avons la cuisine salle à manger. Donc, en fait, elle est juste gigantesque. Là, regardez, elle est trop belle. On a la haute au milieu. Regardez. C'est trop chouette. Je vous montre. C'est ici la plaque.
Ici, c'est la plaque à induction. Ici, et là, toi, tu manges ici. Parce qu'en fait, comme je disais, c'est un appartement, donc on peut se faire à manger. En fait, là, il y a quelqu'un qui cuisine et après, il sert. Et c'est trop chouette, voilà. Donc là, en fait, c'est la table. Tu manges ici, là. C'est trop bien. Tu manges ici, c'est ça. On a même en guise de bienvenue du thé, du café, avec un petit mot de Cap Pirate. C'est trop mignon, tout plein. Et regarde les chaises, Loulou. Elles sont trop belles. Ouais. Même les chaises sont personnalisées. C'est trop bien. Franchement, c'est même pas des chaises, c'est des gros. Fauteuils. C'est même pas des chaises, c'est des gros fauteuils, en fait. Voilà. C'est trop magnifique. Donc on continue avec un miroir. Non mais là on a aussi, ouais on a un miroir tout à fait, ici, on a un grand miroir. Ouais, ça c'est quoi? Là c'est un décor, tout simplement. Oui c'est... Là on a quoi alors? Ici, premier placard, c'est quoi ce placard? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui. Le frigo, donc on a un grand frigo. Frigo. Ah c'est cool. D'ailleurs nous on va faire à manger dans l'appartement, on va faire... barbecue. Voilà, un barbecue quand on a vendu la mèche. On a quoi? Un congélateur, voilà. Tomates et glaces et tout ça. Tomates et glaces et tout. Mais bon, on est là que pour une minute. Là. Oui. Ensuite, on a le petit four. Ici, voilà. On a un petit tiroir avec les couverts. Voilà, placard, couvert. Pour les trucs et tout. Voilà, les capsules, des cutters. Voilà, là aussi, on a un placard avec quoi dedans? Je sais pas, je peux pas l'atteindre. Donc, on a un micro-ondes. Tout ça. Ok. Il y a papa qui rentre. Il y a papa qui est arrivé, ouais, parce que c'est pas grave. Là, on ça, a quoi? Ça, c'est de la déco. Non, c'est un lave-vaisselle. Ouvre-le, tire. On a même le lave-vaisselle. C'est ouais. Pas cool, ça? Ouais. Oh, lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Petit évier. Il y a même le produit pour laver la vaisselle. Bah, il y a tout. Ça, c'est pour un serpillière et ça, voilà. Et voilà, puis là, on a même des placards qui sont ici, en forme de tonneau. Et ici, on a quoi? Planche à découper, sauce à salade et tout. La hotte. Trop bien. Papa qui vient de ramener les affaires, voilà. On s'installe, hein. On découvre avec vous. C'est trop ici, chouette. On a les là, tasses de thé, les assiettes. En fait, il y a tout. Oui, bah, on va mettre nos boissons et dans le frigo si tu veux. Donc voilà, on a tout. Voilà donc pour la cuisine qui est pas mal équipée. D'ailleurs, on a vu sur quoi. Tiens, je vais ouvrir là pour voir. Et on a, oula, on a vu sur les jardins. C'est plutôt chouette. J'adore. Donc on continue avec quoi ici? Donc on a quoi? La petite cachette. Qu'est-ce qu'il y a? La chambre du roi. La chambre du capitaine. Alors voilà, ici c'est la chambre de papa et maman. Regardez les amis, il y a deux signes. Et ils ont même fait deux signes qui font un cœur, c'est trop beau. Franchement c'est magnifique. Les pieds. Qu'est-ce qu'il y a les pieds? Il y a un trésor, ouh. Ici. Waouh, c'est chouette ça. Ah ouais, c'est un petit trésor. Il y a un vrai trésor dans la chambre, ça c'est cool. C'est celui du capitaine. C'est celui du capitaine, tu vois? Bah oui. Bah, alors voici donc la chambre, voilà, du capitaine, bien sûr. Franchement, le détail est soigné, j'ai envie de dire. On a un lit, mais qui est juste magnifique à baldaquin, franchement. Rien à dire là-dessus. Et on a même des petits placards ici pour ranger les affaires. Je vous montre. Petit placard numéro 1. Voilà. On peut ranger toutes ces affaires. Et le petit placard ici, numéro 2. Alors au cas où on est froid, on a une couette, on a aussi des oreillers, etc. Et on a vu sur quoi alors? On a vu sur les... Avec un pirate. On a vu sur... Un pirate. Jack Sparrow. Jack Sparrow, va bien. Jack Sparrow ici. Ah bah ouais. Oui. On continue avec, parce qu'on n'a pas fini, parce que ce sont des grandes, grandes chambres. Oui. Donc là, on sort de la chambre de papa et maman. Hein? Et bien sûr, parce que nous, on dort ici. Trop bien. Alors ici, on continue avec l'extérieur. Alors, on ouvre. Alors, voilà l'extérieur. Donc là, on a une terrasse, en fait, avec une chaise, enfin, avec des chaises, une table plutôt. Bien un petit barbecue comme on vous disait qu'on allait faire des grillades ce soir. Voilà, petit barbecue qui est mis à disposition. Et on a aussi papa qui fait dodo avec Océane. Ça va, tranquille? Voilà, donc là ils font la sieste, ils sont tranquilles, trop bien. Et on a vu sur quoi, Loulou? Le parc aquatique. Voilà la vue d'enfer qu'on a, franchement c'est trop bien.
Le restaurant là-bas, trop bien. Ici, le bar. Franchement, on a une super belle vue. Hein, Moussaillon ? Super oui. C'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que tu aimes toi ? Ah ouais, j'adore. On a fini notre room tour ? Oui. Il était pas petit en fait, il était grand. Hein. Ah oui, très grand. D'ailleurs, je vois que tu m'as piqué mon lit. Bah oui. Tu verras. J'ai pas dit mon dernier mot. Hein ? C'est mon lit. Bon les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, ce petit room tour aussi. Franchement, c'est trop génial. En fait, elles sont trop bien les chambres ici. Regardez derrière Corentin et tout. Bah dites-nous vraiment dans les commentaires si ça vous plaît, si vous êtes déjà venu, si vous avez l'intention de venir. Voilà, remercie encore l'hôtel Cap Pirate de nous avoir invités. C'est super gentil de leur part, parce que nous on habite pas très loin en fait, à 1h30. Les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis ben, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao.